Oui, donc du coup, bah, le plus important de la pièce, c'est le disque émo. Donc on a du soin, on a des munes, enfin des munes. Bon, le pompe, il commence un peu à souffrir, mais on a encore eu des munes de Magnum, donc le boss final va morfler. Normalement. You murdered my husband. I know what you're looking for. You came for the G-virus, didn't you? But you'll never take it from me. This is my husband's legacy. Now, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. What happened? The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Et bordel, c'est la fin du monde, tout va péter. Et donc là, faut courir. Et donc nous allons courir et sauvegarder. Et allez, c'est parti, on y va. De la sauvegarde. Ah oui, priorité à la sauvegarde. Hein. Donc apparemment l'ascenseur qui est à gauche, on peut pas le prendre. Bon, tant pis. Hein. Bonjour Jean-Mille. Bon bah je te dis adieu, tu vas exploser. Attention, tout va péter. Vite, go, go. Puis, donc je vais finir le jeu peut-être aujourd'hui. Et donc vu que je suis en pleine action, je peux pas me permettre de quitter maintenant. Franchement. Regardez ce que je prends dans mon inventaire. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Vous savez ce que ça veut dire? Mais oui, bien sûr. Pourquoi ça serait pas autre chose? Deux films. Ah, mais c'est ça que j'ai oublié. Je sais à quoi servent les deux films. Si on a le temps, maintenant, si jamais il n'y a pas une cinématique nous en fait, je sais où il faudra les utiliser, je pense. Alors, on va prendre trois herbes vertes. Allez, go. On est en pleine action là. Voilà, on a une big amélioration. La musique épique est avec nous. Le combat ultime est avec nous, bien sûr. Enfin, avant cela, nous allons faire notre ultime et dernière sauvegarde, les amis. Avant d'attaquer ce boss final, je n'en ferai pas d'autres, normalement. Et on va supprimer, je ne sais pas. Ah, on peut avoir 15 sauvegardes. Ah bah du coup, voilà. Tout se réjouit à ça. Regardez, on est atteint la dernière sauvegarde. Et on va terminer cette campagne de Léon. Vous avez vu, je vous avais dit, en moins de temps. Alors donc, on va attaquer donc le boss final tout de suite. Je suis content. Content de terminer cette aventure. Allez, sur ce, les amis, le boss final est à nous. Et bon, peut-être si on a le temps, on va... Parce que là, il n'y a pas encore le compte à rebours. Si on a le temps, on ira voir la salle que je vous ai...
c'est la salle avec le labo où il y avait 5 zombies et il y avait des portes qui s'ouvraient automatiquement. Allez, go, go, go. Leon. I've been waiting for you, Leon. What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-Virus. I don't believe this. Annette was right. About everything. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. Ada! Ada, I've got you. Don't give up. Shut up! You're gonna make it! It's too late, Leon. We both know it. No! I promise you that we would escape. You just have to help me out here. I really wanted to escape with you, Leon. Escape from everything. Donc voilà, Ada a malheureusement supprimé. Lâche-moi. Oh, ça commence parfaitement bien. Ça a pris de bestiaux. Allez, donc on y va. Assis sur le chemin du boss, on a les monstres qui nous défoncent, ça va le faire. Donc on y va en direction du boss final. Donc malheureusement, Ada a succombé. A succombé à tout ça. Elle était blessée, elle s'est fait achever de la part d'Annette. Ah, toi, je vais me faire plaisir, mais à un point. Personne n'a vu. Non mais ah, c'est le boss final, j'ai le droit de me faire tuer. Non, ah mais c'est pas vrai. On va pas l'utiliser de suite. On va aller là, vite. Je sais pas, je touche toujours à ça. Et on va re-sauvegarder, mais ici, on va sauvegarder sur la même sauvegarde. Vous gardez quand même le fait que j'ai réussi à faire tout ça. Alors, on va utiliser une herbe. Voilà. Oh,
Voilà, on balance tout là, c'est... Une vieille machine à écrire. Allez, donc c'est parti pour le boss final, hein. Je suis tout content de l'affronter en votre compagnie. Par contre, j'ai pas envie de me refaire taper par des zombies, ça c'est épais. La musique est épique, hein. La musique du 1 à la fin était épique, mais là également. De toute façon, la plupart des musiques de Resident Evil, c'est très bien fait. Bon, elles ont leur thème, faut aimer. Bon, ici, Resident Evil 6, c'est un peu plus action. Allez, vite. Avant qu'il réplique. Mode vérification. Allez, go. J'ai oublié les films. Oh bon. Bon, allez. Les films. Ah, je vais vous embêter, oui, je sais. On va aller voir ce que ça donne les deux films que j'ai parce que je suis quand même impatient de savoir ce que ça donne en fait. Ouais, je sais le boss final, je vous le retarde. J'ai d'ailleurs la possibilité de prendre une nouvelle herbe. Ouais. Alors on prend, je sais pas, un petit ancien. Non, on peut pas. Mais. Une herbe bleue au cas où ? Non, on va prendre les films là. Voilà. Non, c'est pas un film ça. Oh, je fais n'importe quoi. Donc on a posé l'herbe verte rouge. On va aller là, je suis sûr et certain qu'on peut faire un truc là. Bah, la clé, bon bah je l'ai pas trouvé. Pas notre temps. Non, c'est pas là. Ah, vous êtes sûr que c'est pas là? Ah, bon, bah tant pis, je suis venu ici pour rien. J'aurais tenté. Allez, j'ai envie de sortir, moi. Allez, donc le boss final, hein. Je ne sais pas combien de temps va durer l'épisode, mais c'est la fin, c'est la fin. Aucune durée déterminée, bam. C'est la fin. Attends, on va tester un truc. Là-bas, il y a plein d'écrans. D'accord. Bon bah, je ne sais pas à quoi servent les primes. Hein. Je voudrais qu'on me le dise. Si quelqu'un sait à quoi servent les primes, je suis intéressé de savoir à quoi ils servent. Franchement, je suis intéressé. Bon allez, c'est parti pour la fin du jeu. Eh, c'est vrai que nous on prend notre temps, censé exploser. Ouais, ça m'a fait de l'air. Attendez, j'ai oublié mes affaires de rechange. J'ai oublié.
Allez. Allez, 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 roule. 5 minutes until detonation. Oh. Bon bah. Pourquoi ça fait boom d'ailleurs? C'est pas bon tout ça. Ouais. On est. Ouais. On la met en marche. Ouais. Mais faut attendre. Oh. C'est épique. Cette musique là, j'adore son OST là. Allez. Ah, la musique, elle est épique. Bon, je sais pas si elle est là, mais on... Non, bien sûr, c'est pas tout, mais voilà. Ouais, bah bien sûr. Il était trop faible auparavant, bien sûr. Il fallait que ce soit pire que ça. Mais bien. Ah bah vas-y, bug. Non, c'était pas prévu. T'étais censé... Non. Wow. Oh, il m'a fait morfler. Non. Allez, on y retourne. Allez, go, on est de retour à... 5 minutes until detonation. On y retourne du coup. Allez les gars, on y va, on peut y arriver les amis. Allez, je vous dis les amis maintenant. C'est pour vous montrer à quel point j'ai confiance. Ce qui est stressant, c'est que même durant la cinématique, on voit le timer. Mais c'est bien sûr voulu, hein. C'est fait. Ah. Ouais. Allez, c'était gratuit le premier coup. Je te l'ai offert, la maison. On va passer à la seconde phase, bien sûr, assez rapidement. Voilà, deuxième phase. Le boss, la première phase, elle est vraiment très simple. Heureusement que la deuxième phase, bon bah elle est chiante. On l'a bien vu. Hein. Le chien, c'est autre chose. Fantastique, j'adore les chiens. D'accord, bon je crois qu'il est intouchable quand il est là. Oh, je passe à travers. Non, lâche-moi coucher le chien.
Non, alors on a retenu, en faible, c'est pas une bonne idée. La survie en faible, c'est pas une bonne idée. Non, allez, lâche-moi. Non. Ouais, ça c'est bien. Ah bon, on est arrivé. Comme par hasard. Et j'espère qu'il est mort, hein. Quoi, comment ça, il est pas mort? Arrêtez de me regarder de cette manière. Allez. C'est l'heure de l'évasion. Heureusement qu'on se fait pas poursuivre par la mort. Et voilà, on a terminé la première partie de notre let's play sur Resident Evil 2. Donc Resident Evil 2. Donc ce jeu qui est donc avec la cible, on va terminer la première partie. Alors du coup, bon bah c'est déjà pas mal, hein. J'espère que vous avez aimé donc du coup ce let's play. Perso, j'avais moins envie de le faire que Resident Evil 1, mais c'était pas mal cette découverte du jeu. C'était franchement différent. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de scènes d'action. C'était moins énigmatique que le premier. Un peu moins, bon, il y avait toujours des énigmes, ça c'est le Resident Evil. Mais voilà, donc on n'en a pas terminé, car comme vous l'avez vu, donc il y a la campagne de Claire et on a une certaine chérie une petite fille en fait, qui est née chérie là, dans le train. On ne sait pas c'est qui. Perso, j'en ai aucune idée, mais je sais que la petite fille s'appelle Chérie. C'est plus que je sais, je crois. Donc, elle s'appelle Chérie Birkin, précisément. Donc, sinon, j'ai aucune idée de ce qu'elle fait là, tout ça. Mais voilà, donc, nous allons voir en continuant ce let's play la suite, et j'espère que vous avez aimé ce let's play. D'ici là, on se retrouvera pour la suite, après une grosse pause de Resident Evil 2. Et sinon, je vous dis bien sûr. Une pause, je sais pas, je vais sûrement faire à la suite Claire, mais voilà. Sinon, je vous prie. Au revoir tout le monde.